et toutes les entreprises ici présentes. Et ce qu'on voulait dire essentiellement, c'est que cette cérémonie représente énormément pour nous. Elle représente énormément parce qu'on considère que c'est un moment privilégié. Privilégié dans la mesure où ce survey, comme vous l'avez qualifié, met véritablement en avant des éléments qui sont indispensables pour la mise en place de certaines actions, à même de garantir un environnement de travail qui soit le plus adéquat possible pour l'ensemble de nos collaborateurs. C'est un secret pour personne que l'environnement de travail, si on parle de fidélisation, de satisfaction de nos collaborateurs, ces deux éléments-là sont étroitement liés à l'environnement de travail, ce à quoi nous travaillons énormément à mettre en place. Et nous considérons que ce trophée, même si on est classé aujourd'hui premier, ce n'est que le début du travail. Il ne faut surtout pas s'arrêter, il faut continuer effectivement, et continuer à faire en sorte que l'environnement dans lequel nous évoluons et dans lequel nos collaborateurs évoluent soit en perpétuelle amélioration. Et à travers plusieurs items, on peut parler de communication, d'engagement, d'écoute, de partage, de formation et j'en passe. Ça peut paraître des mots anodins, ce n'est pas le cas, c'est un gros travail qu'il faudrait mettre en place, ce n'est pas toujours évident. Qu'est-ce que je pourrais d'autre dire sinon que Roche, nous proposons des solutions thérapeutiques aux patients algériens, à travers bien évidemment un partenariat avec les professionnels de santé. Mais ceci ne peut se faire sans l'engagement total et indéfectible des collaborateurs. C'est ce que nous faisons tous les jours. Et aujourd'hui, ce trophée, en fait, ce n'est pas le trophée de Roche, c'est le trophée des collaborateurs que je voudrais saluer chaleureusement aujourd'hui et ce soir. Très content. Et également, j'ajoute que nous dédions ce prix également à nos collaborateurs, que nous remercions, grâce auxquels nous avons pu, grâce à leur voix surtout, décrocher ce symbole de prix qui est aujourd'hui la traduction des efforts qui ont été faits grâce à eux et l'engagement qu'ils ont pu démontrer durant toute l'année. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Je ne terminerai pas sans féliciter toutes les entreprises ici présentes et même celles qui ne le sont pas encore mais qui viendront probablement les années à venir, et notamment nos amis de Novartis, de Ipsen, de Tango, qu'on adore au passage. C'est un petit clin d'œil, vous le comprenez. Et sans plus tarder, je vous rends la...